Je déclare la saison du balcon ouverte. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Mathilde et ma mission sur YouTube, c'est de t'apprendre à t'occuper de tes plantes. Salut, salut! J'ai déclaré la saison du balcon ouverte et du coup aujourd'hui on va aller chercher des petites plantounettes à poser sur le balcon. Et pour ça, je vais t'emmener dans ma jardinerie préférée. Enfin, c'est pas ma jardinerie préférée, mais c'est la plus grande qui est proche de chez moi. Du coup, il y a du choix. J'ai un peu étudié la question parce que l'année passée, j'avais mis du basilic et de la coriandre sur le balcon. Et le basilic, ça allait à peu près. Mais la coriandre a cramé. Donc on va partir sur autre chose. Je pense comme ça qu'il faut que je trouve peut-être des petites tomates cerises. Je vais remettre du basilic quand même, en espérant que peut-être j'arrive à les mettre un peu moins au soleil. Et on verra ce qu'on trouve surtout. Et puis du coup cette vidéo va être un petit peu différente d'habitude parce que je vais la faire un peu sous format vlog, on va dire. Un peu plus chill, un peu moins de montage aussi. Peut-être, je sais pas. Mais on va essayer de faire un truc sympa. Tu me suis ?
Je suis rentrée avec plein de jolies choses, dont ce petit framboisier qui va aller tout seul dans ce pot. Des petites tomates San Marzano. Je ne connais pas, mais écoute, ma fille avait très envie de tomates comme ça, donc voilà. De la lavande, du basilic rouge, surtout parce que je l'ai trouvé joli, et de la coriandre thaï, qui est trop jolie. Elle est trop belle. Donc voilà, et on a acheté deux bacs à accrocher au balcon, où on va mettre du coup tomate et basilic ensemble dans une, et coriandre et lavande, même si c'est pas franchement le truc qui irait mieux ensemble, mais ma foi, écoute, l'essentiel c'est de s'amuser et de tester des trucs, et on avait envie de tester ça, donc on va tester ça. Donc là l'idée c'est que je vais empoter directement ce framboisier dans ce vieux pot que j'ai, simplement pour qu'il soit un petit peu plus stable, parce qu'il va aller sur le balcon de ma fille où j'ai déjà un énorme bac de fraisier qu'on a planté l'année passée et que je pensais qu'il allait crever cet hiver, et en fait pas du tout, il déborde de ce bac, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je vais pas y toucher, franchement je vais juste enlever tout ce qui est un peu mort dedans et ça devrait suffire. Donc on va juste rempoter dans un pot plus grand avec de la terre, j'ai pris du terreau à plantes aromatiques et autres trucs. Franchement, ça ira très bien. On va pas trop se fatiguer. Et si on est sur le balcon de ma fille, avec ces fraisiers qui vont trop bien alors que je leur ai rien fait, c'est peut-être ça le secret. Et du coup son framboisier qu'elle s'est choisi aujourd'hui, qui va aller à côté. J'espère que comme ça le vent sera pas trop violent pour ce petit framboisier. On verra bien. Et si tu habites comme moi dans une région un petit peu brutale, en termes de froid, de climat en tout cas, les fraisiers, franchement, je suis impressionnée parce que je pensais qu'ils allaient mourir cet hiver. Je les ai même pas bâchés, j'ai laissé ça comme ça. Je l'avais juste un petit peu plus collé contre la maison, mais ils ont tenu à merveille et ils sont repartis, mais comme si c'était rien passé. Je trouve ça incroyable. C'est très 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 résistant. Sur le balcon de ma fille, tu as peut-être remarqué ce truc. Et si ça te dit, je t'en parle la semaine prochaine, c'est pour récolter l'eau de pluie. Alors, ce petit basilic. Donc là, le truc le plus important pour le basilic, c'est de séparer les pieds. Alors, dans celui-là, ça va, mais quand tu l'achètes dans le commerce, en général, c'est beaucoup trop rempli. Donc, il faut séparer les pieds pour qu'ils aient de la place, parce que ça fait quand même pas mal de racines. Donc, on va essayer de faire ça en douceur. Tac. Ouais, là c'est cool, ils sont pas trop compacts, pas trop accrochés les uns avec les autres. J'arrive pas trop à dire s'il y a un seul pied par truc ou pas, mais écoute, on va pas non plus trop les embêter. Hop, très bien. Et la petite tomate, on va la sortir aussi. Donc le basilic, il aime quand même un tout petit peu moins le plein soleil que d'autres plantes. Mais apparemment, il s'entend bien avec les tomates, donc on va les planter ensemble et j'espère que les tomates vont faire un peu d'ombre pour les basiliques. On verra bien. Donc, aussi, j'avais fait une erreur l'année passée, c'est que j'en ai mis beaucoup trop. J'avais deux pots de basilic comme ça dans une seule jardinière et c'était beaucoup trop, ça allait pas du tout. Donc, on va faire autrement. Là, j'ai que ça et ça dans une jardinière comme ça. Donc ça devrait aller, j'espère. Ce sera déjà trop, je pense, mais écoute. J'ai pas envie d'avoir des pots vides non plus. Tac. Alors, on va se mettre un fond de terre dans ce bac. Et je pense que la
tomate, elle va aller au milieu. Et puis je vais mettre les basilics autour, histoire d'avoir un truc chou. Parce que oui, c'est l'intérêt des herbes comme ça, c'est d'avoir des trucs qui se mangent. Mais moi, j'aime bien aussi que ce soit chou. C'est pour ça que j'ai une belle jardinière jaune. J'ai pas du tout l'habitude de travailler ce genre de terre, c'est bizarre. Ça paraît beaucoup trop riche, mais je crois que ça aime bien. L'année passée, j'avais aussi fait un mélange de terreau, un peu comme mes plantes d'intérieur pour les basilics. Et ça séchait beaucoup trop vite, c'était horrible. Il y en a un qui a un bout de vert, je sais pas si c'est exprès ou pas, aucune idée. Mais c'est pour ça que j'ai choisi, j'ai dit bien ce chou. C'est mignon. Donc j'ai glissé mes petits plants dans mon bac et je recouvre, je tasse autour avec cette terre là. Je pense qu'on peut faire plus simple. Je peux remplir et faire des petits creux. Hop. Là, ça tient bien. Je sais pas trop s'il faut tuteurer les tomates ou pas. J'ai l'impression que oui, mais j'irai faire ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire me renseigner après. Et voilà! Ça m'a l'air bien et ça va un peu se tasser en arrosant, donc peut-être que je devrais rajouter du terreau. On verra bien. Tout ça, en tout cas, je trouve ça très joli. Alors, on va attaquer la deuxième. Exactement pareil, je vais séparer un peu les pieds de coriandre. J'ai failli oublier de te parler de ce petit produit. Ça s'appelle la Belle Bouse. C'est fabriqué en France. Et c'est un amendement organique fabriqué à partir de bouse de vache. Et qui, en fait, c'est un engrais que tu mets dans ton terreau et qui améliore aussi la qualité du sol. Donc, c'est plutôt pas mal. Et je vais tester. Donc, pour tester, je vais mettre que dans ce bac-là. Alors, c'est pas les mêmes espèces, donc on va pas forcément voir vraiment une super différence. Mais c'est pas grave. J'avais envie de tester comme ça. Donc ça se présente comme ceci, c'est des petits granulés qui sentent rien, je suis un peu déçue presque, mais non ça ne sent absolument rien, donc tu ne risques rien de niveau odeur, même chez toi à l'intérieur ça marche. Hein. Tu peux mettre 50 grammes pour un gros pot de 40 cm. Donc j'en mets avant d'avoir fini de remplir avec ma terre, ça c'est un peu sous le niveau. Mais pas non plus au fond. Ça m'a l'air pas mal. Je mets de la terre absolument partout. Et si tu veux utiliser du coup les produits de la Belle Bouse, je te mettrai leur lien juste dans la description. Oh, je trouve ça si joli. Et ça sent bon, c'est trop bien ça, j'adore quand je me pose sur le balcon, ça sent trop bon, juste avec les petites herbes. Alors j'ai à peine plus rempli plus haut que l'autre bac. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a Bowser qui a envie de sortir.
Mais bon, ça vient, Buzzer. T'inquiète pas. Voilà, je vais installer tout ça et te montrer. Et puis on va arroser. Je voulais te montrer ça d'un petit peu plus près, là, le paquet de La Belle Bouze. Donc c'est un fertilisant, un amendement organique. Et ça s'utilise en mélange avec ton terreau. Donc c'est de l'engrais à diffusion lente, en gros, mais c'est plus de l'amendement. Donc c'est vraiment pour améliorer la structure de la terre. Tu peux voir ici les données N, P, K. Donc 2,5, 1, 8 et 3. Voilà, donc c'est léger, mais c'est quand même pas mal. Franchement, je pense qu'elles vont adorer. Et ça, tu peux aussi utiliser à la maison, dans tes plantes d'intérieur. Et voilà! Alors, un petit coup d'arrosage encore. J'aime beaucoup faire ça sur mon balcon parce que j'aime avoir des trucs sur le balcon. Après, je suis dans une région qui fait que c'est pas évident de cultiver des trucs dehors. Mais ma foi, on fait avec ce qu'on a. Et ça me rend très contente. J'aurais pu mettre des fleurs, mais les fleurs, j'ai l'impression que ça dure un moment et puis qu'après, ça meurt. Du coup, j'aime bien avoir des trucs avec des feuillages intéressants et qui en plus sentent bon et que je peux utiliser un peu en cuisine. Ou voilà, pour l'extérieur, c'est un peu ce que j'aime bien. Si j'avais un jardin à moi, je planterais des bulbes de fleurs tout le temps. Ah, et aussi, petit détail, mes jardinières sont à l'extérieur de mon balcon. J'ai le droit, parce que le balcon il donne sur le jardin commun de l'immeuble et puis qui donne pas sur la rue, donc il y a quand même peu de risques que ça tombe sur la tête de quelqu'un. Et heureusement, parce que cet hiver, mes jardinières de l'année passée sont tombées à cause d'une avalanche de neige depuis le toit, donc ils ont fini dans le jardin. Voilà pourquoi j'ai dû racheter des jardinières cette année. La dernière étape, c'est le paillage. Ça, c'est Pierre, le cultivateur, qui dit qu'il faut pailler, donc je l'écoute religieusement. C'est pour permettre au terreau de ne pas sécher trop vite et de garder un petit peu les pieds au chaud. Voilà. On va essayer. J'espère que cette petite vidéo jardinage extérieur, plus ou moins, t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je suis nulle, mais archi nulle en plantes d'extérieur. Mais si j'ai la réponse, je te la donnerai. Et sinon, il y a forcément un super copain Happy Spot qui te fera une réponse. Je te fais des gros bisous, à bientôt.